Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour le jour, pardon, numéro 2 de Colicoti, donc le Coliseum quotidien. Donc aujourd'hui encore une fois, écarte à jouer. Pour ceux qui veulent savoir, le stuff de Capi, ben, ça avance, je crois que je suis déjà monté à 18 millions à peu près de Kama, ouais voilà, 18 millions 4. Je suis pas encore vraiment fixé à 100% sur le stuff que je vais faire, mais enfin, soit, c'est pas trop trop grave. Tout défenseur, ok. On va commencer tout simplement par la question d'aujourd'hui, hein, comme ça c'est bon. Elle a été attendez, je lâche. Elle a été proposée par Fred Bush, donc alias Red Fox sur Twitter, et qui nous demande que prenez-vous quand vous allez au McDo? Voilà, donc j'attends vos réponses dans les commentaires. Et la question d'hier était slip au caleçon. Donc en attendant que le combat se lance, ben, on va lire un petit peu les réponses qu'on avait hier. Donc on avait Redstone, donc avec le 4 à la place du O que j'avais eu du mal à le dire. Tu peux inviter dans la guilde, s'il te plaît. Voilà, je l'ai mis dans la guilde. J'ai toujours la guilde qui a été créée enfin, pendant le live de 24 heures. Donc, 24 hours show. Enfin, c'était, voilà, c'était pour le live de 24 heures. Mais bon, la guilde est toujours là. Donc, si vous voulez, je vous invite. Hein, il n'y a pas de souci. Il y a Stabilos qui nous dit tout nu. D'accord. Et moi qui nous dit caleçon, c'est plus à l'aise. Je suis total fait d'accord avec toi. Il y a Phil Palissier. Putain, chanchette musique de merde, bordel, mes oreilles, ça casse les oreilles. Bonne vidéo, mais à trop à chier. Suffit de baisser le son, hein. C'est pas forcément de mon côté le souci. Maxime. 9703. Attendez, il y a Skype, je vais me mettre en ne pas déranger, voilà. Qui nous dit. Non. Caleçon avec des cœurs. Donc Le préjugé du caleçon. Attention, Crooner 16 nous dit caleçon avec des marshmallows posés. Posés de la tête aux pieds. Oui, je suis en vidéo. Et tu pourris le chat. Voilà, attention, Crooner 16 nous dit. Ah ben j'ai déjà dit. Whitsune, un caleçon avec des petits moutons. Pas mal. Isiak YT Slip Kangourou Swag Ultime Caleçon mort de rire c'est plus confond c'est plus confortable voilà Stabilos caleçon car slip rentre dans le cul mais il a déjà mis un truc Stabilos il me semble ouais lui il disait tout nu alors Darkrezil caleçon car il y a plus d'espace pour mes trois petits points cool de Hagrid. Et là, je suis. Ben. Toujours aimé l'intelligence de certaines personnes dans leurs questions. Attention, Polo le BG1, caleçon, joli colis. Mais ma mère m'a gueulé dessus car j'avais le son à fond et t'as gueulé comme un ouf. Et du coup, je l'ai réveillé. Mais désolé à toi. JH Boss, caleçon, ça gratte moins. Et tu passes pas pour un gay travesti. D'accord. Red Fox, slip, caleçon, je connais pas moi, je la laisse respirer. Oh. Mais elle est pas encore sortie. Je sais pas les noms à l'avance que je vais dire, moi, puisque les noms, ils sont en général par rapport au. Au Coliseum, donc hier, comme j'avais fait des dégâts de malade, j'avais mis les dégâts! Total vidéo, ok. Par contre, tu devrais mieux. Ah là là, Slim. Sébastien Louis nous dit moi un string.
D'accord. Et on peut traduire. Si on traduit, ça veut dire chaîne. Ok. The Lapin Gaming, moi je le mets le slip. Le slip i. Ah d'accord. Comme dans Dofus. Le string. Ok. Ouais, je l'écoute en français. Pourquoi? Parce que t'es de belle, toi, non? Hein? Alors, Kinflush nous dit Calbut. Alexandra Mio, caleçon. Alors, Yasko, lagerie. Culotte à l'envers comme le roi singe. Spack 29 moins un string en bonbon. Non, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore d'autre? Lead, non, Spack, ouais, un string en bonbon. Ah, j'étais, ouais, l'idiot TV, des fois je mets rien et des fois je mets un slip du chef Bourg. Ilten, Waza, il m'a cité. Bah tu vas être recité. Moi je ne porte que des slips kangourou, Moulbit. T'as vu combien avec ton EK? 101. Bah si tu tombes pas contre moi, tombera avec moi. On va se réinscrire, voilà. Tu peux me dépanner un peu de Kama, s'il te plaît, j'ai plus rien sauf ça. J'ai 0K sur mon EK. Et c'est vrai en plus, hein. Ah non, j'ai 1020. Bon, on va lui donner. Il a accepté en plus. Alors, Julien Caca ou Sasa, je sais pas. Dommage, t'as pas lu les messages sur Twitter aussi. Ben si, je les ai lus tous. Ah oui, ces messages-là, ouais. Ben il y avait Chris Lambourg nous dit j'ai mangé des, c'était pour hier, hein, des miel pops, cœur à la noisette, mais j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des noisettes dedans, miam miam. D'accord. Ce que je vais peut-être vous faire, c'est faire une vidéo entre guillemets annexe pour vous montrer comment on fait pour m'envoyer des questions parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui connaît ce que c'est Twitter apparemment. Donc je vous ferai une vidéo rapide. Oh putain. Oui. C'est mieux KR ou feu. Terre. Alors. Tristan Odos. Caleçon, slip, ça rentre trop dans le cul à mon avis. Stopix 87, troisième choix nu. Nazim Steamer. Caleçon, c'est plus soi que pour un steamer. Mais pourquoi vous parlez d'Andofus? Moi, je vous pose la question en bref. Hein. Hopping. Le soir que je... Thomas Maurier, je mange du chocolat chaud. D'accord, j'espère qu'il n'avait pas trop de morceaux. J'adore les colicotis, bonne vidéo. Mais mec, booste-toi, tu tapes pas. Tu tapes. Quand t'es pas boost. Mais j'ai pas assez de PA pour me booster. C'est ça le truc. Je perds trop de PA à me booster. Alors que je peux faire des dégâts monstrueux juste derrière. Quoi. Non, samedi, tu fais les provinces. Je joue. À 14h30. Tu sais qu'avec un zozo, je suis grâce à tes explications. Bah tant mieux. Putain le gars!
Comment il écrit explication? Ouais, on a un combat. Ça, c'est bon. Après, 10 minutes. Ben, c'est parfait. Je vous mettrai une petite notation. Alors, en face, Yop 123, Fekia 88 et Eni 63. Ah non, il s'est avec moi. Attendez, non. On a Fekia 88 et Eni 63. Et en face, c'est Sacri 96, SRAM 102 et Yop 123. Vous êtes filmé. Bon, je vais vous augmenter le chat comme d'habitude. Sam John John nous dit string pour ma part. L'autre âme, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre toi. Alors on va se mettre en tactique. Roulette 300 force. On va lui faire un petit mécouni comme ça. Voilà. Pour profiter de la roulette. Un petit moins 460 pour commencer la partie, ça fait du bien. Venez vous coller vers moi, tu vois. Capitaine Flamme. Ouh là là, le SRAM. Je sais pas pourquoi il a utilisé son invisibilité, mais bon. Bon, il fait ce qu'il veut, hein, en même temps. Donc j'espère que le FK réduit pas mal. Parce que j'ai pas envie de me prendre des coups du Yop. À mon avis, il devrait être terre ou air, je sais pas. Mais c'est bizarre qu'on se tape des niveaux pareils en face, ça hein, n'empêche. Le plus bas niveau de chez nous a plus de 60 niveaux de différence avec l'autre, quoi. Enfin, non, 60 niveaux pile. Ça fait tellement longtemps que j'essaie de te parler, mais tu ne te connais plus. Aïe aïe aïe, c'est un Yop dommage de pousser. Putain, il a fait mal lui. Alors que j'ai un... Ah, tu es en vidéo, je te parle plus tard. Comme tu veux. Alors, on va continuer un petit peu. On va se remettre comme ça, puisque ici on voit pas. Enfin, on voit pas mal. Ma mère m'a dit abonnement Dofus ou caleçon, j'ai dû choisir abonnement Dofus. Depuis, ma famille me renie et ma famille aussi. J'ai pas compris. Ok. Dark Orage 11. Moi je porte pas de slip ni de caleçon, je mets un string. Antoine Ego nous dit ni l'un ni l'autre, je suis naturiste. Ok. Amine Serrar, caleçon mort de rire. Dofus Axacrix. Pourquoi mettre un caleçon ou un slip? On est tellement plus à l'aise à poil. Ouais. Paul Catelin, moi je mets un string de Shenmue. Chut, faut pas le dire. Attendez, c'est à moi de jouer. Voilà, on lui a fait pas mal de dégâts. Putain, il envoie du pâté, n'empêche mon éca, je suis content. En plus, il soigne pas mal. Oh putain, le chaton qui joue super bien. Bon, franchement, c'est pas mal. Alors, il y a une question qui nous est proposée pour demain par Amoudi Alexis. Pipe ou sodomie? Bon, c'est pas vraiment dans l'optique de la vidéo, donc on l'utilisera sûrement pas. Mais bon, c'est pas grave. Squeeze Gaming qui dit Capi et la mouche. Ok. Quinte flush, petit déjeuner au lit, ma gueule. The Nat Crash, string du Shenmue, moi. Warden, slip pour être aussi viril que Tarzan. Natsu Dragnel, wa putain, t'es un ouf, t'as gagné un colis Rashkit respect. Il n'y a pas Rashkit, hein, c'est le contre-coup qui était tombé en fait hier. Hein. Je sais pas si vous avez suivi. Oh putain, il va me faire mal. Je vais mourir. Oh ben le sacré va me tuer sûrement. À moins que Lenny arrive à faire quelque chose pour me sauver la life. Ce qui m'étonnerait fort. Il va le pousser.
Putain, je vais me faire défoncer. Mais s'il y a moyen que je joue, il y a peut-être moyen que je tue Liop au moins avant de crever. Et là, je sors la chance éca. Mais pourquoi t'as fait ça? Il peut me tuer tout seul. Là, il va venir sacrifice. Bim boum. Mais ça, j'ai quand même pas mal de... Mais bon, il a toujours 10 PA, hein. Faut pas rêver. Qu'est-ce qu'il fait? Transfert de vie. Non, il me tape pas. Il me tape pas! Le gars, il tient pas à sa vie. Allez, soigne-moi, petit chaton. Voilà. Bon, Lenny qui est assez mal, là, faut l'avouer. Bon, à choisir. Ah, mais j'étais peut-être sous immunité ou un truc à la con comme ça. Mais non, même pas. Immu, je pense. Ah, d'accord, il avait fait sacrifice, c'est pour ça. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il prend pas de dégâts comme ça? Alors, UX Blaster nous dit slip car j'aime voir mes cuisses. Ok. Lunatic Kaiser, caleçon pour bien caler le son dans les écouteurs. Ok, je sors. Only Virus, mort de rire, sodomite, épique, pseudo. Lunatic Kaiser, Capi les céréales, Lyon, c'est la vie. Oh, non, franchement, c'est dégueulasse. Moi, en tout cas, je trouve que c'est dégueulasse. Ziblo BFH. Caleçon parce que sinon ça me sert à cause de ma B, trois petits points. K le son de la part de Sensei Aaron. Oh non, je meurs. Comme CAC-R niveau 116. Les dagues là. Un CAC-R ni en dessous du niveau 100. Bon, on se fait totalement défoncer pendant ce colis. Bon, on voit la différence de niveau, n'empêche. Hein, sacré que 2400 de vie, c'est pas évident. Franz Lansen, salut, salut Capi. Juste un petit commentaire pour te dire que s'il te plaît, baisse le son de ton intro ou monte le son de la capture de ta voix parce qu'il y a un décalage pas trop cool. Bonne continuation, quoi qu'il en soit. Bon, pourtant, j'avais pas de décalage, moi, au rendu. Pas grave. Monsieur Titu du 35, caleçon parce que tu es plus à l'aise dedans. Et puis en cours de sport, si quand tu te changes, les mecs te voient en slip, ça doit être la honte. Et tout le bahut va être au courant et ça ruine ton année. Bon, bah, j'ai des potes qui mettaient des slips, je vois pas le... ce qu'il y a de si extraordinaire à ça. Ah, moi aussi, mis à part des dagues RN, je trouve pas. Alors, Maverick Thierry, on arrive à la fin, c'est bien, puisque le combat va être terminé. Je suis jamais connecté quand tu l'es, Arf. Ok. Azutriska 11, c'est quoi? Non, attendez, c'est con quoi? C'est une mouche. Et pour les filles, la question. Ah, bah les filles, elles peuvent mettre soit des culottes, soit des caleçons, hein. Ah oui, vous voulez que je fasse une question aussi pour la fille quand c'est comme ça? Ouais, ça va être chaud. Bah, de toute façon, la question de demain, ça devrait aller. Hein. Que commandez-vous au McDo? Ça devrait aller. Lucas LJ Capis, ça te dirait de mettre une panneau gorgouille pour plus de vie et de dopu? Non, parce que je suis très bien en panneau chef bork et je vois pas l'intérêt de changer. Le Feke qui essaie de faire le taf, je sais pas ce qu'il fait. Il tape ses potes, lui.
L'IPT 066 70, enfin 70. Très beau combat, perso, rien, j'aime bien faire l'hélico toute la journée, sérieux, des grands caleçons. Bah d'accord. Bah c'est parfait parce que c'était le dernier commentaire, à mon avis le combat qui va pas tarder à se finir. On se remet en normal, hein, c'est beaucoup plus joli. Le Feka qui survit comme il peut. Je crois en fait on a beaucoup trop rushé. Si on l'avait joué un peu plus, pas tactique mais plus retiré je dirais. Il y a peut-être moyen, parce que j'ai été au cake, mais le problème c'est la map, vous commencez, vous êtes directement au cake des autres, enfin c'est un peu le bordel pour ça. Et c'est pas toujours évident à ce niveau-là. Mais bon, il y a des maps juste, enfin ouais. Peut-être sur une autre map, il y a peut-être moyen, je pense. Le problème c'est que Lenny s'est fait catch directement, moi j'étais au cake du Yop presque directement, donc c'était pas... Et en même temps, après, vous voyez la différence de stuff, quoi. Il y en a avec un Solomon qui, de l'autre côté, il a une coiffe de la tortue. Enfin, c'est un peu... C'est un peu pas très équitable. Et t'as l'autre, le Sacré, avec des caps fugueux et tout. Il est en 12 PA, le gars peinard. En 12-6 au niveau 96, avec 2000 de dead vita. Parce que là, il a pris de l'érosion, sinon je crois qu'il était presque à 2600. Donc voilà, quoi. Il y a des moments, t'as beau être aussi fort que tu veux, tu peux pas tester. Hein. Mais bon, je suis sûr, si Lenny avait été près de nous, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Au moins d'en tuer un. Mais c'est vrai qu'avec le Sacri, c'est pas évident non plus de one-shot quelqu'un. Il y a combien de PA le Faker? Il y en a 9. Oh putain, non, il joue très... Le gars il a pas envie de finir. Il est con parce que l'autre va jouer dommage de pousser, voilà ce que j'allais dire. Dommage de pousser, dommage de pousser, dommage de pousser. Voilà, 193 PV. Peut-être moyen de le finir à la libé. Je vais demander. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu fais quoi? Ce qu'on va faire, on va faire. Merde. Non, arrêtez de m'inviter en groupe. Voilà. On va faire ça comme ça, on va voir la mort. Je fais toujours ça avec mon sabal. Sur le Feka qui s'avance, piège sournois, le double qui se rapproche. Ouais, il tue le Sacri. Pas mal. Par contre, ça c'est bizarre que la trêve soit déjà finie. J'ai pas tout suivi là. Attention, la coco. Ah bah non, il finit à la coco. Ah bah tant pis, c'est une défaite aujourd'hui, donc GG à eux. Bon, regardez en même temps les niveaux. Le plus bas niveau de chez eux avait presque mon niveau en fait, donc pas évident. En tout cas, merci à VV8 d'avoir été là pour la vidéo. Ben, moi, je vous dis à demain les amis. Donc, je vous rappelle la question de demain qui était posée par Fred Bush. De toute façon, elle est restée au-dessus de la vidéo, au-dessus à gauche, hein, tout le temps, le screen du tweet que je vais faire tout de suite. Attention. Voilà. Voilà, vous entendez le petit son de push. Alors, Fred Bush qui nous demande que prenez-vous au McDo? Donc voilà les amis, je vous dis à demain pour le prochain colicotis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao!